Salut à tous pour cette nouvelle vidéo. Donc comme promis, je vous ai fait. Donc aujourd'hui j'étais au stand pour tester la Savage Mark II FV, canon lourd. Donc comme j'ai testé toutes les munitions dont je vous ai montré la dernière fois, j'ai en plus rajouté des CCI Blazer. Je sais pas si j'en ai parce que j'ai fait les glaces lunettes et je crois que je les ai toutes bouffées. Donc on va commencer par le top quoi, ce qui a fait le meilleur résultat. La Rifle Match, c'est vrai qu'elle a fait un bon score, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc à 50 mètres, hein, j'ai pas encore une bonne lunette, donc dès que j'aurai la bonne lunette, je vous ferai un bon tir. Donc à 50 mètres, c'est franchement pas mal. On va dire qu'on est sur allez, 2 cm sur 2, même moins. C'est franchement bien, je suis content. Je pense que bon, vu le prix qu'elle coûte, c'est pas ce que je vais acheter tout le temps. Parce que bon, ça revient cher la boîte. Mais bon, voilà. Par contre, la bonne surprise, c'est les Sellier et Bello. Je ne l'ai pas payé cher, je crois que la boîte elle est à 3,10€, un truc comme ça. Donc bon, c'est assez acceptable. Et franchement, c'est les deuxièmes meilleures munitions que j'ai. Après, je dis, je suis pas non plus un tireur hors pair. Donc il y a aussi peut-être moi qui fait que. Voilà. Mais bon, là on est pareil, on est sur 2 cm sur 2, c'est pas mal. À 50 mètres toujours. Tous les tests sont faits à 50 mètres. Hein. Donc non, je suis assez content de la Sellier Bello. On verra au long terme, je vous referai quelques vidéos comme ça. Ensuite. Après, déçu par certaines munitions par contre, comme la LA Team, que j'ai payé assez cher, 9€ la boîte. Et franchement, c'est pas extraordinaire, je trouve, pour cette munition. J'ai fait mieux avec les American Eagle, par exemple, qui coûtent une misère. Là, on doit être sur du 4, même 5 sur 5. 5 cm sur 5 cm, c'est pas extraordinaire. Pour de la LA. Bon, on verra. Hein. On verra peut-être qu'en m'améliorant, peut-être que ça vient de moi, je sais pas. Ensuite, on a la Winchester Standard. Donc, c'est celle-ci. Cette munition là, pareil, qui est pas très chère, mais qui est plutôt pas mal. Après, je vous dis, la lunette était pas réglée pour chaque munition, donc il faut surtout compter le groupement. Hein. C'est pas l'endroit sur la cible qui compte, hein, c'est le groupement. Bon, c'est correct, hein, il y a pire. Je vous dis, c'est mieux que la team en tout cas. Là, on doit être sur 4 cm sur 4. Je pense que en m'améliorant moins après au tir, ce sera mieux. On verra. Ensuite, on a la Thunderbolt, celle-ci. C'est la moins chère, je crois qu'elle est à 2,50€. C'est pas trop mal, il y a pareil, je pense que faut que je m'améliore moi au tir. Il y a un double trou, hein, j'ai tiré 5 coups à chaque fois. Là, on doit être sur du 5 sur 2. C'est pas mal. Ensuite, on a la T22. La Winchester T22. Donc voilà. C'est pas terrible. Le temps était correct, il faisait beau. Grand soleil et pas de vent. 50 mètres. Donc en général 50 mètres, c'est pas. Il n'y a pas trop de facteurs qui rentrent en compte. Donc voilà, donc T22. C'est pas extraordinaire. Ensuite, la GECO Pistol. C'est pas pire, mais bon, pareil, c'est pas extraordinaire. Bon, c'est pas fait pour ça, hein. Je voulais l'essayer quand même pour être sûr, mais bon, il y a pire. En améliorant, toujours pareil, je sais pas si ça vient de la munition ou du tireur, hein. Mais bon, j'ai essayé, j'étais quand même très bien calé, il n'y a pas de raison que ce soit pas moi. La American Eagle, qui est assez correcte, j'ai fait un double trou, là, un petit flyer, je suis content. Pour le prix de la munition, honnêtement, je pense que je vais en racheter parce qu'elle est pas chère et elle est bien. Au suivant. Ensuite, on va passer donc au subsonique. Là, il y a la pistol match qui est vraiment pas mal. Bon, ben voilà. Pistol match. Voilà, donc on est plutôt bien. Double trou. On doit être sur du 2 cm sur 2. Mais bon, pareil, vu le prix qu'elle coûte, ce sera pas la munition choisie. Ensuite, on a la LA. Subsonique.
Donc à tester avec un silencieux. C'est pas extraordinaire, ouais, j'étais vraiment pas du tout dedans. À 50 mètres. J'ai visé plus haut parce que je sais très bien qu'elle tombe plus bas. Bon, il y a pire. Ensuite, la 22, la Remington Subsonic. Oups. Là, carrément, une catastrophe. Hein. On a 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas top du tout. Donc voilà. Et à la dernière, la Winchester Subsonic. Par contre, elle, c'est vraiment le top. Son, elle est vraiment top cette munition. Elle est ultra silencieuse et elle groupe bien. Vous voyez, j'ai fait que des doubles. Là, il y a 5 munitions, 3 trous. Vraiment cool. Donc voilà pour cette vidéo. Donc je vais vous faire la suite, la présentation du fusil. Donc le Remington. Le Remington, qu'est-ce que je dis? Le Savage Mark II. FV, pardon, je m'embrouille. Je vous fais cette vidéo. Là, je vous poste celle-ci. Et tout de suite après, je vous envoie la vidéo présentation du fusil. Allez, ciao, ciao!